Coucou les beaux bijoux, bienvenue pour un nouveau point lecture. J'espère que vous allez bien. Alors moi je vais bien, mais j'avoue que j'ai très chaud. Ici en Belgique, il fait genre 30 degrés avec du vent chaud, alors que la température moyenne en Belgique est de 15 degrés avec de la pluie, et du vent froid. Donc on n'a pas l'habitude de ces températures. Et j'ai vraiment chaud. Et j'adore, hein, j'adore le soleil, j'adore ça. Mais en ville, il fait très vite étouffant et je vous jure que c'est pas agréable du tout. Sur ce, on se reconcentre. Je viens vous parler de ce livre, Mémé dans les orties d'Aurélie Valogne. Un tout petit livre de 250 pages qui est juste génial, que j'ai adoré lire, que j'ai vraiment dévoré parce que ça se lit très très vite. C'est juste génial. Pourquoi? Vous savez bien que je fais toujours pourquoi j'ai choisi ce livre-là. Ensuite, le résumé et ensuite ce que j'en ai pensé. Alors pourquoi j'ai choisi de lire ce livre-ci? Parce que ça faisait longtemps qu'il était dans ma palle, dans ma pile à lire et que je me suis dit, allez, il serait peut-être temps, voilà. Et puis aussi parce que j'ai lu un monde totalement imaginaire, donc j'étais plongée dans le monde d'Alice au pays des merveilles pendant un bon bout de temps et donc je me suis dit que ça me ferait du bien de revenir à quelque chose de contemporain et de sympathique qui fait rire. Qui fait sourire. Et voilà, donc ça c'est la raison du pourquoi, du comment. Alors le résumé, on se retrouve ici avec Ferdinand, un homme de 80 ans à peu près, je pense, qui est très seul dans la vie, qui vit dans un appartement, qui sent le renfermé, il s'occupe pas de lui, il fait pas attention, c'est quelqu'un de très acariâtre, c'est quelqu'un qui aime bien jouer des mauvaises farces à ses voisines parce que ses voisines sont méchantes, alors du coup il leur fait des farces méchantes, et du coup mais il se retrouve un peu seul. Il a un chien, il a une chienne qui s'appelle Daisy, à qui il tient vraiment beaucoup, mais sa chienne va être renversée par un bus. Et ça va être pour lui quelque chose qui va lui donner, qui va lui ôter un peu l'envie de vivre, en fait, tout simplement. Et après, voilà, les choses vont s'enchaîner parce que des nouveaux voisins vont emménager dans l'appartement au-dessus du sien, je pense, un étage au-dessus. Et il y a une petite fille de 10 ans qui va rappliquer chez lui un midi. Et voilà. Après, je vais pas vous raconter la suite parce qu'en plus, ben, il est quand même court. Donc si je vous spoil, je pense que ça va pas vous plaire. Mais c'est une très très belle lecture. Ce que j'en ai pensé, c'est que ça valait la joie. Ça fait du bien de lire des livres comme ça parce que ce sont des livres qui sont remplis de sagesse, remplis d'humanité surtout. Parce que la thématique ici, c'est la solitude et c'est surtout... Mais qu'est-ce qu'on a fait durant toute sa vie par rapport aux autres et les liens que l'on a entretenus avec les autres? C'est surtout ça en fait. On parle des liens avec les autres humains. Et voilà. Donc c'est très très beau. C'est un très chouette livre. Je vais y arriver. Je l'ai trouvé très touchant. Je l'ai trouvé. Ça m'a fait sourire. Puis j'ai eu un petit peu le cœur qui se pinçait. Et puis voilà. C'était vraiment une belle palette émotionnelle en si peu de pages. Alors l'écriture d'Aurélie Valogne, elle est juste comme ça. Ça se lit très facilement. On lit ça pour les personnes qui adorent lire. L'écriture est très fluide et très harmonieuse et donc ça se lit très vite. En une soirée, pour les gros lecteurs, c'en est terminé. Ce livre-là, c'en est terminé. Donc c'est juste génial. Voilà. Que dire d'autre? C'est vrai que c'est un mini point lecture, je vois que ça fait seulement 4 minutes que je vous parle, mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé et franchement, je compte m'acheter les deux autres qui sont sortis en poche. C'est En voiture Simone et Minute Papillon. C'est dans la même veine, alors c'est pas avec Ferdinand, mais ça a l'air aussi tout aussi sympathique, tout aussi humain, tout aussi contemporain. Désolée pour le bruit des tondeuses que l'on entend, mais il fait tellement bon que les gens, ils en profitent et c'est normal. Qu'est-ce que j'allais dire? Et oui, elle a sorti aussi Aurélie Valogne Au petit bonheur, la chance. C'est son tout nouveau livre et donc il est en plus grand format. Mais voilà, je ne sais pas ce que ça raconte, mais sûrement quelque chose d'aussi. Voilà. Et puis j'adore les couvertures, elles sont sympas en fait. Elles font justement un peu plus. Elles donnent du caractère en fait à l'histoire. Je sais, c'est un peu bête, mais c'est vrai que ça a son petit effet. Donc voilà, alors. Est-ce que je vous lirai quand même la quatrième de couverture? Non. Je vais vous laisser avec ce que je viens de vous raconter, avec ce que je viens de vous dire. Et puis si ça vous dit, ben, vous pouvez aller voir évidemment sur Amazon ou sur un autre site
la quatrième de couverture. De toute façon, ça résume bien. Il a bien 80, 83 ans. Ouais. Donc voilà, écoutez, c'est vrai que ça a été très rafraîchissant, ça fait du bien. Mais maintenant, j'ai envie de me prendre une lecture où je repars dans de la fantasy ou peut-être dans du fantastique, c'est pas encore le même. Ouais, c'est mon truc quand même, donc voilà. Sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée. Amusez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas d'aller vers les autres personnes, évidemment. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!